on a commencé avec la soirée codeur et je vais présenter mes codes sur mon t-shirt. D'accord, je suis espagnole, je cherche les princes charmants et je suis une personne ouverte. Je suis très gourmande, j'aime beaucoup la famille et je suis très perfectionniste et je suis très dynamique. J'aime beaucoup voyager et je suis très fêtard. Et voilà, on fait la soirée ici pour voir s'il y a quelqu'un avec les mêmes affinités. Voilà, ok, voilà. Super. Donc ça c'est New York, ça c'est l'art contemporain, ça doit être la musique, la danse, soy española. Ça, je sais pas. Marcos nous dira. Ah bon, théâtre? Je savais pas que j'avais dit ça, mais je pensais à autre chose, mais bon. Ça, c'est de la littérature. Ah, d'accord. Ça, c'est Paris. Non, non, ça n'a rien de pornographique. Et ça, flamenco. Voilà, ça, c'est codeur. C'est pour moi. Ouais, bon, je vais te donner mes codes dans le désordre. Ces deux-là, là, c'est les langues que j'essaye de parler. Donc, j'essaye de parler l'espagnol et j'essaye de parler le japonais. Donc, si je rencontre du monde qui essaye de parler aussi ces deux-là, c'est cool. Là, j'ai mis une tête comme ça, un peu genre Édouard Romain d'Argent ou L'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est pour les films d'horreur en fait. Donc, ouais, j'aime bien ça. Donc là, tout à l'heure, t'as dit ça, c'était la contradiction. Ouais, je pense que c'est vrai. Mi-ange, bi-démon, un truc comme ça. Ça doit me représenter un peu, ou beaucoup, je sais pas. Là, c'est le sport que j'aime, basketball. Donc, après, j'ai pas grand-chose de plus à te dire. J'aime bien jouer, j'aime bien regarder les matchs, tout ça. Là, je t'ai mis... C'est pas Carolina, en fait, mais c'est Björk. Donc, chanteuse que j'aime bien, que j'ai vu en concert, tout ça. Ça j'aime pas les chiens en fait, mais j'aime bien les bandes dessinées, donc c'était le logo dispo, mais j'aime bien Snoopy, donc c'est cool. Et le dernier, c'est mon taf en fait, profession de santé, je bosse à peu près là-dedans, donc voilà. C'est tout pour moi. Alors, bonjour. Bonjour. Donc voilà, mes 9 codes qui me représentent, très difficile. Alors... Je suis joueuse, j'aime bien taquiner, faire des blagues. Le flamenco, j'aime bien voyager. Le théâtre, je suis taureau. Je suis cinéphile, j'aime la soul, la funk. Je suis espagnole et j'aime bien aussi la musique latine. Donc voilà, merci, au revoir. De ce t-shirt, alors, nous avons ici l'arrobas qui signifie le... tout ce qui est travail d'internet, informatique. Nous avons aussi en orange le video games, donc ça c'est les jeux vidéo. Ici nous avons le flamenco, donc c'est pas très compliqué. Le petit bonhomme qui sourit avec la langue et les petits sourcils, c'est moi. C'est joueur. Bon, celui qui reconnaît pas ça, il s'en prend une. C'est le Real Madrid, bien sûr. Metallica, bon, alors le... C'est comme ça. Ça, c'est l'Espagne. Donc, c'est Espagne, c'est ici. Geek, donc... geek, comment vous expliquer geek? Bah, geek, c'est un peu aussi... ça a été représenté un peu copié sur Google, en geek. Et là, c'est le meilleur des signes. Le meilleur en bleu. Le petit diable, c'est le libertinage. Et oui, je dis bien le libertinage. Et tout ça par le codeur. Bah écoutez, bonsoir, donc en direct du Night Beach, je vais présenter mon super t-shirt codeur. Donc les symboles qui me représentent, le premier donc c'est l'indépendance, deuxième voyage, mon amour pour l'Espagne, mon amour pour l'Italie, la salsa, et puis donc par la suite polyglotte. C'est assez logique finalement. Et puis mon importance pour la famille qui est capitale. Et puis finalement un peu rêveuse aussi. Et on reste positive. Voilà.
Donc ça, ça me représente. Les cartes. Joueurs. Bien représenté comme logo. La petite étoile, le design. Eh oui, on est porté par le design. Je pense que vous l'êtes d'ailleurs à la base dans le système. La bande dessinée du Snoopy. Le côté scientifique, moi je disais, hein, bon, on peut qualifier ça parfois de pas de bol, mais il faut s'assumer. Je suis scientifique, j'aime la déco. Les sports, ça c'est un truc de mec, hein, souvent, mais c'est comme ça. Ouais. Le tennis, j'en remets une couche, allez, le côté sportif. La musique, généraliste, c'est-à-dire ouvert. Rien de précis, mais j'aime pas mal de musique. Côté optimiste. Ah, mon côté optimiste. Ça, c'est important. Le positif, le partage. L'échange. L'échange, tout à fait. Et puis, la déco. D'ailleurs, le cadre est assez sympa, je trouve. La petite cadre. Je travaille au marketing. Je suis sympa. J'aime la cuisine. Je suis urbaine. Je crois à la défense de l'environnement. J'aime le cinéma. J'aime les chaussures. J'aime Paris. Et je suis Gémeaux. Donc voilà. On va la refaire un peu. Je vais la refaire avec ma gueule, là.